Bonjour à tous et bienvenue sur Kujua Tech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à transférer vos stickers de Telegram vers WhatsApp de la manière la plus simple. Alors la première chose à faire, c'est de repérer les stickers que vous voulez transférer vers WhatsApp. Donc pour la première partie de cette vidéo, on va apprendre à faire pour les stickers statiques. Donc pour les stickers statiques, comment ça se passe? Avant tout, vous devez repérer le sticker comme je l'ai dit. Donc là, on va repérer un sticker statique. Donc là, j'ai pour The God of High School. Bon, vous voyez, comme vous voyez, c'est statique. Donc, il n'y a pas de mouvement de personnage ou quoi que ce soit. Donc là, ce que je vais faire, c'est de faire un appui long sur un des stickers sélectionnés au hasard. Et une fois que ce petit menu va s'afficher, je vais faire voir le lot d'autocollants. Et ensuite, je vais venir au niveau des trois points qui se trouvent juste là à droite. Et je vais faire copier le lien pour obtenir le lien du pack de stickers. Donc une fois fait, ce qu'on va faire, c'est on va rechercher le bot en fait qui va nous permettre d'accomplir notre tâche. Donc le bot en question s'appelle Sticker Downloader Bot. Donc il y a plusieurs stickers downloader bot. Donc là, on va faire attention à trouver le bon. Voilà, Stickers Downloader Bot. Donc le bon, c'est celui-ci. En fait, je vais vous mettre le lien en commentaire, comme ça vous n'aurez pas à chercher. Donc une fois on va démarrer le bot. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est on va envoyer au bot le lien qu'on a pris précédemment. Voilà, donc là il va donner le nom, le lien contient animated, ça ne contient rien. Et ensuite on va faire dans l'autre pack. Voilà. Donc on va attendre que le bot en question nous renvoie le fichier avec l'ensemble des stickers à l'intérieur. Donc c'est ce fichier là qu'on va utiliser pour pouvoir transférer vers WhatsApp. Donc là on attend. Le téléchargement se fait à 3 stickers par seconde. Donc là on va attendre que ce soit fini. Donc comme vous le voyez, à la fin on a ce petit fichier zip qui est généré. Ça pèse 1,6 mégas. Donc là je vais le télécharger. Je vais taper sur enregistrer. Donc maintenant, une fois cela fait, ce qu'on va faire, c'est on va se rendre sur notre gestionnaire de fichiers pour repérer le fichier zip dans l'endroit où ça a été enregistré. Parce que là, on va le décompresser pour obtenir les images qui sont à l'intérieur. Donc là, on va sur fichier, dans stockage interne. Donc chez moi, ça se trouve sur download, Telegram. Et là, il y a le fichier zip qu'on vient d'enregistrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est décompresser. Donc plus, je vais faire extrait vers répertoire courant. Donc ça va extraire directement ce dossier. Donc là, vous voyez, à la fin, on obtient cet ensemble de stickers. C'est en format WEBP, donc ça peut varier. Donc là, vous voyez, on a tout ça. Voilà. Donc maintenant, la seconde application qu'il va vous falloir maintenant pour transférer ces stickers vers WhatsApp, et ça s'appelle Personal Stickers. Donc voici cette application Personal Stickers for WhatsApp. Donc je mettrai aussi le lien en commentaire. Donc là, comme vous voyez, ce sont les anciens packs que j'ai eu à faire. Donc là, on va faire un tout nouveau. Donc là, je vais faire plus. Ce que vous avez à faire, c'est vous voyez les images qu'on vient de décompresser, les images qui se trouvaient dans le dossier qu'on vient de décompresser sont toutes là. Donc là, on va juste sélectionner ce qu'on veut. Je crois que la limite de stickers dans un pack est de 30. Donc là, je vais sélectionner au moins 10 stickers. Donc, sélectionne. Je crois que c'est bon. Ça fait à 10. Donc là, maintenant, vous pouvez donner un nom à votre pack. On va appeler comment? On va faire GOH. Et là, vous pouvez mettre l'auteur. Là, je vais mettre Kujua Tech. Kujua Tech YouTube. Voilà. Et là, je vais faire valider. Donc, maintenant, on me demande sur quel WhatsApp je vais importer. Comme j'ai WhatsApp et WhatsApp Business. Donc, je vais choisir WhatsApp Business. Donc, là, ça va prendre un peu de temps. Le temps d'envoyer. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Ça, c'est pour les stickers statiques. Donc, je vais mettre Add.
Et là, ça a été ajouté vers WhatsApp. Et pour vous prouver, donc, je vais aller sur WhatsApp. Au niveau des stickers. On va aller au niveau des stickers. Et maintenant, voici les stickers que nous venons de créer. Donc, vous voyez que voilà le pack de stickers qu'on vient de créer. Donc, il y a 10 stickers à l'intérieur. Là, on peut envoyer ces... On a fini de transférer. Pour cette deuxième partie, nous allons maintenant voir comment transférer les stickers animés de Telegram vers WhatsApp. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un autre bot. On va plus utiliser le bot stickers downloader. Parce qu'en fait, si on utilise le bot stickers downloader, on aura un fichier zip dans lequel se trouvent des fichiers de type TGS. Or, les fichiers d'extension TGS ne sont pas reconnus par l'application qu'on utilise pour transférer les stickers de Telegram vers WhatsApp. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nouveau bot dont je mettrai le lien bien sûr en description, qui s'appelle Stickers to Gift Converter. Donc là, je vais le rechercher, Stickers to Gift Converter. Voilà. Et là, je vais démarrer. Donc, une fois démarré, je vais me rendre sur ma liste, sur l'ensemble de mes stickers. Je vais chercher un stickers animé. Bon, celui-ci, c'est celui de Albert Einstein. Donc, je vais choisir n'importe lequel. Et je vais faire un appui long dessus. Et quand le petit menu va s'ouvrir, je vais choisir voir le lot d'autocollants. Je vais toujours cliquer sur les trois pointillés. Là, je vais mettre copier le lien. Donc, une fois le lien copié, je vais le renvoyer vers ce bot. Donc voilà le lien. Donc, je vais envoyer le lien du pack de stickers. Et là, ça va me générer automatiquement un ensemble de fichiers zip. Donc vous voyez, les fichiers zip, pour le bot, c'est catégorisé en trois catégories. Donc on a les fichiers zip de 512 pixels. En dessous, on a les fichiers zip de 256 pixels. Et enfin, on a les fichiers zip de 128 pixels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre pour 128 pixels. Donc là, je vais télécharger. On va attendre que le téléchargement se termine et pour pouvoir continuer, bien sûr. Donc là, on va attendre un peu pour que le fichier zip soit téléchargé. Et là, on va aller le décompresser. Et la procédure sera presque semblable pour les stickers statiques. Une fois le fichier enregistré dans les téléchargements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le gestionnaire de fichiers et on va aller dans Download. C'est là que ça se trouve. Donc, on va aller dans Download. On va aller dans Telegram. Et là, on va choisir, voilà, Einstein 128 pixels.zip. Donc là, on va le décompresser. Et voilà, et on va obtenir le fichier en zip comme je vous le disais. Donc maintenant, on va retourner dans l'application Personal Stickers for WhatsApp. Et là, on va faire plus. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir les stickers un par un, de ne pas faire un pack avec plusieurs stickers. Parce que plus il y a de stickers, plus ça prendra de temps pour faire le transfert vers WhatsApp. Donc là, je vais juste sélectionner un sticker et je vais ajouter vers WhatsApp. Là, je vais choisir WhatsApp Business. Et là, on va attendre que ça transfère vers WhatsApp Business. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc si vous voyez, si on avait mis 2 stickers, 3 stickers, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc comme je ne veux pas que la vidéo soit très longue, je choisis juste un sticker. Donc même comme ça, ça prend quand même assez de temps. Donc nous allons attendre patiemment, bien sûr. Là, je vais l'ajouter à WhatsApp Business. Maintenant, comme j'ai fait pour les stickers statiques, je vais aller le tester sur WhatsApp. Donc là, je vais envoyer le stickers. Donc là, le voici. Et je vais l'envoyer. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et surtout, j'espère que tu auras appris quelque chose de nouveau. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et surtout, à partager dans ton entourage. Et surtout, n'oublie pas, just take it. Et aussi, merci beaucoup pour votre soutien.